J'ai oublié d'enregistrer. Bonsoir la rediff, on vient de commencer, j'ai juste invité les des bambins, voilà. Et ensuite on s'est cultivé avec Google. Oh, j'ai oublié, mais alors ça c'est un truc, il faut que je prenne le réflexe. Hein. Faut que je prenne le réflexe d'enregistrer le live en plus de le stream, parce que Kik est pas encore relié à YouTube, donc je peux pas encore le... Eh là 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 là, quel play. Je peux pas encore exporter les vidéos, il faut que je les réupload et ça me prend la journée. Hein. Le sang baby, il m'a pris la journée parce que j'ai plus la fibre. Mais on va pas se plaindre. Hein. Je pensais que ce serait ce serait pire comme putain. Le mec, il a dit un truc. J'ai cru entendre bonsoir. Je vous jure, j'ai eu peur. J'ai trop flippé. Bonsoir. Pardon, qui êtes-vous? Qu'est-ce qui se passe dans mon casque? Mange pas. Est-ce qu'il y a un bambin qui vous plaît plus, vers qui on irait plus qu'un autre? Franchement, les gens qui viennent en live, je vous le dis tout de suite, vous êtes privilégiés. Hein. C'est vous qui allez décider de l'avenir de Lulabi. Hein. Alors venez souvent. Parce que si vous venez pas, bah voilà. Hein. Vous n'aurez pas le choix. Ah, il faut qu'elle aille aux toilettes. Excusez-moi les enfants, je vais aux toilettes. Non mais c'est vraiment la foire à la saucisse. Regarde, il y en a un qui a dégueulé sur le plancher là. C'est immonde. Et ça marche ou pas? Parce que vous ne parlez pas, ça me stresse. Est-ce que vous êtes là, Eo? Si vous êtes là, dites Bigfoot. Si ça marche, dites Bigfoot. Ou alors il y a un décalage de malade, je sais pas. Ça me stresse, je vois personne qui parle. Je vais vous poser la question. Bon, si ça marchait pas, vous m'y aurez dit ça marche plus. Mais là, parce que je vois pas le chat. Peut-être vous faites autre chose, tout simplement. Et du coup, vous pouvez pas me répondre parce que vous écoutez juste mon live. Oui, ça marche. D'accord, merci, mamie. J'ai eu peur. Bon alors, les gars, ça va mamie? On va passer aux choses sérieuses. Si je trouve le truc. C'est pas ça, putain mais c'est incroyable de se perdre autant. Voilà, alors, mesdames, messieurs, trolls et autres trucs. Vous allez choisir parmi ces petits bambins. Sachant qu'il y a Isidore et Elena ici. Parmi tous ces petits bambins, vous allez choisir deux garçons et deux filles. Vos préférés. Parmi Léontine, Milos, Lisa, Sébastien, Nico, Sarafina, Takeshi, Léon, Charlie, Cléo, Élise, Claire, Amaury, Orson, Isidore, Elena. Et j'ai l'impression qu'il en manque. Est-ce qu'il en manque? Ah oui, il en manque. Il en manque plein. Bon alors attendez, parce qu'il en manque plein. Chiant. On peut pas les classer par enfance, là. Pff, c'est chiant. Le mien, je sais plus comment il s'appelle. Il s'appelle Amaury, le tien. Donc il y a Milos, je sais pas. Lisa, Takeshi, Léon, Orson, Nico, Cléopatra, Sarafina, Sébastien, Amaury, Charlie, Isidore, Cléo, Juana, Misioko, Claire, Lena, Léontine, Élise, et je crois que c'est tout. Ça fait du monde. Ça fait du monde. Est-ce qu'on ferait pas un petit montage vitef bien des familles là? On va vous faire un petit montage parce qu'on est quelqu'un de gentil. Hein? Et à la limite, je fais voter sur le Discord puisqu'il y a personne. Il y a personne! C'est honteux! Enfin si, vous êtes trois. Merci. Merci les gens d'être là. Hop. Écoutez. Je vais vous faire le petit... Ta mère. Je vais vous faire le... Ah zut! Je vais vous faire le petit montage! La meuf s'énerve toute seule. Hein. Et on va voter. Voilà.
Comme ça, vous aurez tous les bambins côte à côte et ça va être mieux. Et je vais vous mettre en train de... Enfin, je vais vous mettre le montage en train d'être fait. Comme ça, on va pas se faire chier pendant 8 ans. Hop! On va pas se faire chier. Je veux dire que vous allez pas ne rien voir et attendre comme des cons. Voilà, c'est ce que je veux dire. La petite vampire. Il y en a plusieurs des petites vampires, donc... petite vampire, il y a Léontine, il y a Charlie, et je crois que Rona, Missioko, Claire, Léna et peut-être même Élise, c'est des... Non, pas Élise. C'est des vampires, enfin, il y en a beaucoup des vampires. Alors, attendez. Je mets ça. Hop, voilà. Comme ça, vous allez pouvoir admirer. Sébastien! Je pense que cela dit, ils peuvent être combien? Ils peuvent être 8 dans un groupe, donc on pourrait choisir bah, 7 bambins que vous aimez bien. Attendez, comment je vais faire ça moi? C'est bien gentil, je vais vous faire un montage et la meuf elle sait pas faire un montage là. Honteux! C'est honteux! Ah si, je sais comment je vais faire. Charlie. Venez avec moi. Et voilà, la magie du montage, je n'avais rien vu. N'est-ce pas incroyable? L'important, c'est de ne pas se tromper de calque. Voilà, ça, c'est une autre histoire, mais bon. Comment ça, aucun pixel à traiter? C'est sur toi? Oui, c'est sur toi. Donc, je crois que je me suis trompée de calque. Nique ta mère! Nique ta mère! Comment tu t'appelles? Quoi? Comment tu t'appelles? Joe! Nique ta mère, Joe! Excusez-moi. Nique ta mère, Joe! Pardon, je me trompe en plus. Hop. La magie du montage. Qu'est-ce qu'on s'emmerde? Ta grand-mère. La 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 la. Je suis même pas alignée, hein. Bon, tant pis. La 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 la. La magie du montage. Mais je crois qu'il y a encore des bambins qu'on n'a pas vus. Il me semble. La 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 la. La concentration est à son comble. La concentration. Ouais, c'est ça, hein, j'ai collé le mauvais. Bah oui, parce que je suis stupide. La magie du montage. Attendez. Là. Bon, on remettra bien après, hein, vous inquiétez pas. Donc ouais, vous en pensez quoi de faire 7 bambins? Enfin, de choisir 7 bambins? Qu'est-ce que je fais? Je fais des bêtises? Bah oui, évidemment, comme d'habitude.
Donc 7 bambins, ça me paraît bien. Vous en pensez quoi, les gars? Pour se faire un groupe de potes. Alors, ça ne veut pas dire qu'on ne verra plus les autres, hein. Mais comme ça, au moins, on saura un peu sur quelle base aller. Sauf si, évidemment, on a un énième stalker comme on a eu avec Iléas et que le type est toujours là, faudra faire quelque chose. Mais au moins, on aura une petite base. Il y a un problème de couleur, hein, clairement. On va laisser ça. Ouais, un groupe de potes d'enfance. Après, ça ne veut rien dire, hein. Ça ne veut pas dire qu'ils vont finir ensemble et tout ce que vous voulez. Mais au moins, comme j'ai dit, on aura une base. Il y a d'autres bambins à aller voir. Donc, on va y aller vite fait. Ah non, je ne peux pas partir tant qu'il y a un event en cours. C'est bientôt fini. Hop. Il doit rester une famille que j'ai pas vue parce qu'elle n'était pas encore installée. Alors, je sais pas où je l'ai installée, par contre, je sais plus. Ah, si, je crois que j'ai mis un truc. Pardon. Moon machin. Qu'est-ce qu'elle a? Faire une bataille de bombes à eau. Non, mais c'est pas le moment, Josiane. Ouais. On verra quand. Alors, soit je le mets là sur Twitch et vous. Sur Twitch. D'habitude. Sur Kick. Et vous choisissez en live. Soit je le mets sur le Discord. Vous préférez quoi pendant qu'on va voir les gens là? Les derniers bambins. Dites-moi ce que vous préférez. Et je l'exécuterai. Comment ça, pas mal les bzaises? Faudrait vraiment que je monte mes nichons, hein. Il y a de quoi faire en plus, hein. Get ça. Tu penses, là, je prends 100 abos, là. Ouais, tu me les enverras enfants, hein, parce que franchement, mamie, on n'a pas le temps. Alors, il y a la petite Violette. Bonjour, Violette. Le petit Lucius. Oh, c'est trop mignon, Lucius. Brandon. Brandon, ok. Et ce qu'il a. Ils vont avoir le privilège d'être un peu zoomés. Donc, je sais plus comment il s'appelle. J'ai déjà oublié. Ici, Lucius. Là-bas, Brandon. Mais Brandon, c'est pas possible comme nom. Brandon, donc. Et je sais plus. C'est tous ses yeux verts, hein. Bref. Brendan. Bah, normalement, ça s'écrit Brandon. Brandon. Brendan. Merci, Oscar. Heureusement que le chat n'est pas activé. Ouais. Brandon. Ça me fait rire. Peut-être qu'elle voulait écrire Brandon. Je sais pas. Ce qu'il a, voilà. Et l'autre? Et Jocelyne, là. Violette. Pourquoi j'ai oublié? Voilà. C'est reparti pour le montage! Toute façon, après cet épisode, je pense que je vous demanderai à ce que les familles envoyées soient avec des enfants. Sinon, bah, si vous envoyez... Merde. Si vous envoyez des nourrissons ou des bambins, bah c'est bien. Mais eh ben ils seront pas forcément potes avec Lulabi, quoi. Je sais pas. On verra bien. Non, je pense pas. Hop. C'est important la précision. La 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 la. Hop. Ça va pas du tout.
Mais c'est pas grave. Ça va pas du tout parce que le dégradé n'est pas bon. Mais, on va dire qu'on s'en branle, ok? Ok. Hop, hop, hop. Melissa Métisse d'Ibissa vit toujours des vêtus. Dis jamais que je vous ai dit ça ou Melissa me tue. Oh, ma métisse nue. Oh, ça est ma métisse. D'ailleurs, cette chanson est atroce. Voilà. Sachez-le. Une fois qu'on écoute attentivement les paroles ou qu'on les lit, c'est bien de la merde. Alors, heureux Kiki. Du coup, vous ne m'avez pas dit si vous voulez voter en live en tant que privilégié ou si je le mettais sur le Discord. Quoique, pour. Y a Ruru qui s'égosille à côté. J'aurais pas dû mettre comme ça. Je suis stupide. Ah, les volets se ferment. Ça m'a fait peur. Oui, bon, alors, évidemment, ne votez pas pour Lulabi. Ce serait un peu con. Lulabi va être amie avec elle-même. Un peu con, quoi. Bon, après, au moins, elle sera jamais déçue, j'ai envie de te dire. Mais bon. Pas le sujet là. Il y aura peut-être plus de votes. Oui, il y aura certainement plus de votes, mais ça veut dire qu'on attend. Et ça veut dire que bah ceux qui sont là ne sont pas récompensés entre guillemets. Vous avez qu'à venir, hein. Attends. Pourquoi ils viennent pas? Vous êtes là, vous? Pourquoi eux ils viennent pas? Bon, je vais effacer Lulabi parce que c'est stupide. Avec qui Lulabi va être ami? Avec Lulabi. D'accord, oui. C'est pour tout de suite, je suis open pour voter. Bon, attends, j'attends un peu savoir ce que pensent Kiki et Osk de tout ça. Les deux me vont. Non mais ce n'est pas un avis ça. Moi je veux un oui ou un non. Pas un peut-être ben que oui, peut-être ben que non. Mais enfin. Scrognogneux. Nanana. C'est le gros bordel. Alors. Si ça veut bien s'ouvrir. Faut pas être pressé, hein. Lulabi et Lulabi sont les meilleurs amis du monde. Voilà. Donc. Vous voyez bien, là. Ah oui, alors avec ma grosse tête, vous voyez pas grand-chose. J'enlève ma tête. Le temps du vote. Ce que je propose, c'est que... déjà, j'enlève ma gueule. Où suis-je? Là, voilà, on ne me voit plus. On me voit un peu, on ne me voit plus. Ce que je propose, vous en choisissez 4. Vos 4 préférés. Et je referai un vote sur Discord où les gens en choisiront 7, ok? Comme ça, on peut déjà commencer un peu, parce que sinon, je ne sais pas quoi faire pendant cet épisode, en fait. Bah, je n'ai rien préparé, c'est honteux. Et pendant que vous choisissez, je vais le mettre sur le Discord aussi. Où est-ce que je vais le foutre par contre? Ça c'est la question. Parce que là vous pouvez pas répondre.
Bon, je vais autoriser les... Et je vais autoriser à ce que vous parliez dans l'ULABI. Récap. Hop. Les noms dans ce salon, voilà. Je vais aussi notif les loupitopiens parce qu'il y a des petits malins qui désactivent les notifications de everyone. Donc, ils ne reçoivent pas la notification que j'envoie alors que tout ce que je dis est forcément super intéressant. Donc, je contre en notifiant aussi les loupitopiens. Eh ouais! Eh ouais! Voilà, le sondage est lancé partout. Alors, bah vous n'avez pas répondu. Mais est-ce qu'il y a un décalage de malade ou ça se passe comment? Attendez. Comment? Attendez. Bah non, il n'y a pas de décalage. Enfin, après, c'est peut-être chez moi, je sais pas. Bon, bah j'attends. J'attends la 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 forêt la 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 la. Hop, je remets le Discord à gauche. J'étais au chiotte. Comment ça, y a rien quoi? Vous voyez pas les gosses là, la photo des gosses? J'ai enlevé ma grosse tête pour que vous puissiez les voir. Comment ça, y a rien? Qu'est-ce qu'elle dit? Qu'est-ce qu'elle baragouine? Mamie! Bah oui, bah alors je vous demande d'en choisir 4. Et je fais des gestes, mais vous ne me voyez pas, c'est con. Ah, c'est cool, je peux me curer le nez, vous ne savez pas. Oh, trop bien. Ah, il n'y a rien de mal, on voit bien. D'accord, pardon. Attends, j'enlève les machins, là. Le compteur et le hashtag, comme ça, vous voyez bien, Élise et Violette. Je sais pas qui choisir. Oh là là, bah faut vous décider, les gars, hein. Les votes réactifs comme ça, ça a pas l'air de vous hype. Si vous aimez pas, il faut me le dire. Je prends les miens. Oh, mais ça compte. Non, soit un peu fair play. Tu peux en prendre un des tiens, mais pas que les tiens. C'est nul. D'ailleurs, c'est qui le frère de Cléo? C'est Isidore, non? Alors, Cléo, Charlie, Amaury, Brandon. D'accord. Cléo, Charlie, Amaury, il est là, et Brandon. Ok. Isidore, oui, c'est ça. Bah, à la limite, tu prends les tiens, mais il en faut deux de plus. Attends, mais je crois qu'Oscar, il l'avait déjà mis. Il l'avait mis en mode vénère. Cléopatra, Charlie... Cléopatra, elle est là. Charlie, Sébastien et Amaury. Ok. Bah, donc il y a déjà deux pour Amaury et deux pour Charlie. La petite Charlie. Ah oui, mais t'avais fait Charlie aussi, Kiki. C'est vrai. Je crois. Je sais plus. Je ne sais plus. Je suis perdue. Oui, c'est ça. Bon, Kiki, tu votes pour qui? Il se fait agresser. C'est l'agression. L'agression, l'agression. L'agression.
Bon, allez. Hop. On va remettre ma grosse tête. Et on va remettre le jeu. Bon, vous irez voter sur le Discord. Voilà. Voilà. En attendant, nous, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, je ne sais pas. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Claire et Léontine. Ok. Cléopâtre a deux voix. C'est cool, ça. Bon, je ferai un récap. Faut juste que je trouve ce qu'on va faire. J'ai pas d'idée, là. Parce que bon, les bambins... Puis elle a la faim. Ils ont dégueulassé partout. Bon, le mari va aider à ranger, hein, parce que bon... Elle a peu de chiottes. Elle a peu de chiottes. Ils en ont foutu partout. C'est pas possible, ça. Oh, inviter des gosses et puis voilà le résultat, quoi. Honteux. Honteux. Hop, je supprime tout ça. Non, mais n'empêche, je suis contente d'avoir appris des trucs aujourd'hui. J'ai appris où était l'ancienne Louisiane française. Et où était... Est-ce que c'était que le gombo? Mon petit Oscar, je vais être casse-couille. Est-ce que tu veux bien les mettre, genre, à la suite, séparés d'un slash, s'il te plaît, mon petit Oscar? Voilà, juste pour que ça prenne moins de place. S'il te plaît. Je suis chiante. Mais quoi, elle a encore faim? Mais elle a déjà bouffé, elle! Oh là là, chieuse! Oh, mais ils en ont vraiment foutu partout, hein. Dégueulasse! Le père, lui, il va bien. Il fait pas chier. Oh, j'ai cru qu'il y avait une assiette dans la chambre des parents. J'étais en mode, non mais là, on est où, là? On est où? Où vont-je? Oh là là, qu'est-ce qu'elle a, le boudin? Burk, pas bon. Ah oui, c'est vrai qu'elle est chiante. Elle est chiante pour la... la bouffe. Casse-couille, hein. Et la lulabi qui avait déjà toutes les compétences, elle a été moins chiante, hein. Regarde la gueule. En même temps, la description a pas l'air folle, hein. Je voudrais pas dire, mais... Bon. Après, c'est peut-être bon. Je suis probablement en mauvaise langue. Quelqu'un a déjà mangé du gombo? Tiens, papa, va lire une histoire à ta fifi. C'est une espèce de grosse soupe, quoi. Légumes. Légumes, viande ou crustacés. Bon, allez, hop, on va nettoyer. Et ensuite, le devoir conjugal. Bah oui. C'est important, de toute façon elle peut plus avoir de gosses. Ah oui, alors je vais le préciser parce que sinon tout le monde va faire pareil. Là. Alors, oh, il y a déjà deux Sébastien. Sébastien, bah oui, devoir conjugal. Mais je t'ai dit de faire la vaisselle, Crognasse. Pourquoi tu fais pas la vaisselle? Fais ton devoir de femme, femme. Elle veut pas, hein? Qu'est-ce qu'il y a? Il est cassé le truc? Pourquoi elle veut pas? Où Eva? Oh, il y en a partout. Non mais... Bon, hop, ça m'a saoulé. Ça m'a saoulé. Ah, ce serait bien que dans la vraie vie, il y a un espèce de dieu comme ça qui prenne ta vaisselle sale et qui la mette au sale. Genre, et c'est propre. Mais bon... Oui, ils aiment l'intimité physique, on le saura. Ils baissent tous les soirs. Qui est l'immonde bâtard qui a cassé ma maison de poupée?
Pauvre enfant! Il avait brisé sa maison de poupée. Oh, les salauds! J'ai pas vu qui a fait ça. Ah, les bâtards! Les bâtards! C'est honteux. Honteux! Pardon. C'est bon, il a réparé. Heureusement que papa est bricoleur. Après avoir bricolé maman, bon, ça va trop loin. Ça va trop loin. Comme d'habitude. Nanana. Je connais pas la suite des paroles. Pardon. Comme d'habitude. Ah, madame est debout. Madame va aller au cabinet. Puis elle va faire à manger, hein. Et peut-être on ira se promener avec lui l'habit. Alors je sais pas à quoi ça va servir, mais on va aller se promener avec lui l'habit. Cuisiner. D'ailleurs, faut que je fasse les courses après le live. Rappelez-le moi, je vais l'oublier. Non, vous savez quoi, je vais ouvrir tout de suite. Super U Drive. Voilà. Parce que mon frigo est vide. Les gens dans le chat, mais on s'en fout en fait. On s'en fout. Pourquoi tu nous racontes ça? Mon frigo est vide. C'est trop triste. Tiens, on va prendre ça. Qu'est-ce que c'est? Un type de pain souvent préparé pour les fêtes juives. D'accord. La challah est préparée de manière à être parev. C'est-à-dire n'associant pas les produits laitiers avec des œufs. Putain, c'est chiant. Oh, ça avait l'air bien, ça m'a saoulé. J'aurais pas dû lire la description. Bon, vas-y, on va en faire quand même parce que le plat a l'air joli. Les produits laitiers sont de la merde à digérer. Les produits laitiers. C'est bien parce qu'elle a toute la place là, mais elle le fait bien dans le petit coin où il y a tout le bordel. Oh, elle est fatigante cette femme. T'as encore faim, Jean-Gérard? Bah, va prendre des restes. Qu'est-ce qu'il a? Environnement déplaisant? Bah pourquoi? 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 Y'a quoi? Y'a quoi? Pourquoi? Pourquoi? Oh, y'a une assiette sale là. Ah. Ouais, mais c'est madame là, elle fait pas la vaisselle. Elle fait pas la vaisselle, voilà. Ouf, on va aller aux toilettes, Lulabi, s'il vous plaît. Il travaille pas, Bernard? Benoît, pardon. Ah si, il travaille dans 4 heures. Benoît, tourne-toi comme ça. C'est quoi les paroles? Benoît, tourne-toi, paroles. Elle m'a dit, ah ah, j'ai rencontré cette fille dans une boîte à la mode. C'est pas possible. Une extra blonde platine, sans copain ni copine. Oh là là. Ah, ça nous rajeunit pas cette merde, hein. C'est plus vieux que moi. Ah non, j'ai rien dit. 2002, c'est presque. Non, c'est moins vieux que moi quand même. Elle s'appelait Ludivine, me semblait bien câline. Oh, c'est nul, putain, j'ai pas le rythme. Oh, c'est de la merde. Benoît, tourne-toi. Elle m'a dit, ah, ah, tourne-toi comme ça. Mon dieu. Vous êtes chaud pour le karaoké? Sinon on arrête les Sims, on fait du karaoké, hein.
Are you ready for the horrible chose? Mais putain, fais la vaisselle à la fin. Oh, faut s'y reprendre à 3 fois là. Emily, Pena, Pena, tourne-toi, tourne-toi. Tourne-toi comme ça. Elle s'appelait Ludivine, me semblait bien câline. Oh, les chansons nulles. Bon, ça va, j'ai pas encore chanté Vincent Lagaffe. Et le scooter Mokhtar l'avait volé. C'est pas possible, c'est pas possible, ça ne passe plus aujourd'hui. Et le scooter Mokhtar l'avait volé. Allez, on va prendre le... Ah bon, elle est stricte? Ok. Oh, pourquoi elle peut pas y aller? Et comment ça me saoulait, cette femme, hein? T'as encore faim, mais tu bouffes rien de ce que je te donne aussi. Oh, c'est chiant. Pourquoi elle peut pas y aller? Elle marche très bien, cette baignoire. C'est parce que les chiottes, ça va pas? C'est quoi le problème? Bon, attends, va plus y avoir de problème. Hop là! Voilà, ça aurait été de me faire chier. Vraiment, est-ce que vous connaissez cette chanson mémorable? J'ai envie de chanter des chansons paillardes, les gars, c'est horrible. Déjà, l'autre jour, je me suis réveillée avec une chanson dans la tête. C'était horrible. Et maintenant, j'ai envie de chanter des chansons paillardes. Ça me saoule. Oui, va au travail, Benoît. Va donc au travail. Et bon, on va pas le faire, hein. Hein, on va pas le faire. On va pas chanter de chansons paillardes, hein. Mais je comprends pas, elle a mangé tout son plat, là. Chieuse. Oui. Oh, Benoît, va dehors. Pas censé aller au taf, le con. Oh, c'est dans 13 minutes. Allez, toi, prends un bain. Paix-moi, paix-moi, tourne-toi, tourne-toi. Tourne-toi comme ça. Et vas-y, ha, ha. C'est pas possible. Du coup, Kiki et Mamie, si vous voulez, vous pouvez aller répondre au sondage. Enfin, au sondage, ouais, on va appeler ça un sondage. Vous pouvez aller répondre pour les bambins préférés dans le Discord. J'ai mal au crâne. J'ai pas mal fort, mais ça commence à... Et ça fait 3 jours que ça pouit-pouit là et ça me saoule. Ah d'ailleurs, elle en a eu des compétences, lui, l'habi. Bon, ça va, hein. On va faire un peu de réflexion, ce serait pas mal. Est-ce qu'on lui a acheté des... Oui, on lui a acheté. Pourquoi elle est triste? Oh, ouais, ça va, tu lui apprends la vie, t'es pas non plus ultra méchante. Mais pourquoi vous m'avez proposé qu'elle soit stricte? C'est pour qu'au final, tu chiales. Au bout d'un moment, il suffit. Non, c'est pas Patrick Sébastien que j'ai chanté. Patrick Sébastien, c'est soft, hein. C'est des chansons... comment on dit? Chansons beauf, mais pas paillardes. Moi, ce que je chante, c'est... T'as la SPA sur toute la kikette. T'as la SPA sur toute la kikette. Toutes petites galères sont les alias de l'amour. Autant par devant, par derrière, ça vous arrivera un jour. Voilà, c'est pas très... C'est pas politiquement correct.
À côté, l'autre avec ses sardines, il peut se rhabiller, tu vois. Qu'est-ce qu'on essaierait? Ouais, c'est bon, c'est nul. Au fond de cette boîte, change les sardines, change les sardines. Aïe, aïe, aïe. Ah, elle a encore faim, elle nous emmerde. Tu nous fais chier, Lulabi, tu nous fais chier. Hé hey. C'est pour réveiller Oscar. Ça gosse. C'est con qu'il n'y ait pas une animation. Alors après, je pinaille, évidemment. Mais qu'il n'y ait pas une animation où, la mère tient la main de l'enfant quand il se promène. Parce que t'as juste le bambin qui crapaille derrière comme un espèce de crapaud, là. C'est pas terrible, quoi. Pendant que l'autre, elle trace sa route. Et le gosse, il est là. Hé, hé, maman. Hé, hé, elle est trop loin. Je me casse. Je me tire. C'est une chanson de Maître Gims que j'aime bien. D'ailleurs, Maître Gims qui est persuadé que les pyramides... Non, on va pas en parler. On en parle ou pas? Il me fait trop rire. Il est trop drôle. Mais c'est drôle parce qu'on sait que c'est pas vrai, mais il y en a qui y croient, quoi. Ah oui, c'est loin du patoche. Ah oui, il y a un sacré décalage, en fait. Ou alors c'est Maître Gims qui est loin du patoche. Ça dépend, hein. Bella, c'est pas mal beau, hein. Bella. Ouh, Bella. Elle répondait au nom de Bella. Non, je sais plus. Les gens du village me disaient, mais fit-toi de cette fille là. Je sais plus l'air. Je ne sais plus. Alors. La qualité de votre stream est bonne. Cool. C'est gentil de me le dire. On a la faim maintenant. Bah va manger. T'as fait des repas pour 15 là. Elle est contente. On peut pas la nourrir au biberon. D'ailleurs. Ah c'est nul. J'aurais aimé, pardon, lui donner des biberons parce qu'elle aime rien, la gosse. Et c'est chiant. Bah, c'est bon avec ses plots, là. Je me rappelle, chez la nourrice de mon frère, il y avait des cubes. Et c'est des cubes que tu pouvais défaire, donc ça faisait des triangles et les emboîter avec d'autres cubes. C'était des jouets un peu nazes, tu vois, par rapport à ce qu'on a maintenant. Mais je passais ma vie à jouer avec cette merde. C'était trop bien. Ça fait vraiment le discours des vieux cons qui disent « Oui, mais moi, tu sais, à ton époque, j'avais une clémentine à Noël et j'étais content. » Mais c'est pas du tout ce que je veux dire, c'est juste que c'est ce jeu, je sais pas comment ça s'appelait, mais c'est trop bien. C'était des jouets de cubes et que tu pouvais déwincher pour faire des triangles et remboîter pour faire d'autres cubes. C'est trop bien. Ah, lui a donné des petits pois. Super. Génial. Qui mieux avant? Alors, pas tout, hein. Il y avait peut-être des trucs mieux, mais je pense qu'il y avait des trucs nuls, hein. Enfin. C'était mieux avant. Elle a pas mangé ses petits pois. Mange tes putains de petits pois, tu me saoules. Moi après je sais que c'est dégueulasse, mais mange-les. Parce qu'après tu vas encore faire chier que j'ai faim, C'est bon là. Ah, va faire un câlin à ta fille toi. Enlacé tendrement. Écoute, dans mon grenier, il y a une caisse de billes. Une caisse de billes. Pas une petite caissounette. Une caisse. Bon, elle est grande comme ça.
est haute comme ça. Enfin, tu vois, ça fait la taille de mon écran. Tu ne vois pas mon écran, mais... Bah, faudrait déjà que mes parents me ramènent. Mais après, ma mère les a peut-être jetés. Je sais pas, c'était à mon frère. J'ai aucune idée. Mais putain, fais la vaisselle, tu saoules. C'est quoi encore ce bug de merde, là? Non, pas chercher des débris, putain. Bidé. Mais, je sais pas, ma mère les a peut-être jetés. Je sais pas. Oui, ils sont toujours dans le grenier. Faudrait qu'ils me ramènent mes Playmobil, d'ailleurs. Quand j'ai dit, oui, vous allez pouvoir me ramener les Playmobil, maintenant que j'ai une maison, je vais pouvoir les stocker quelque part. Et t'avais ma mère, elle était là, oh non, les Playmobil, Maud, ça suffit. Et mon beau-père, ah oui, oui, bonne idée, genre, ça y est, ça va vider le grenier, fonce. Mais oui, on va te les ramener. Ça va faire du tri. Ça m'a trop fait rire. J'ai trop hâte de les avoir. Il faut que je les ai absolument pour la prochaine fois on se voit. On va en foutre partout. Voilà. Bon bref. Qu'est-ce qu'on va faire avec cette charmante famille? Il y a quoi comme terrain communautaire? En plus il pleut, c'est super. Super hein. Ah, une bibliothèque. Comment on s'en branle? Allez, pour aller se balader, on va à la bibliothèque. Wouh, les folies! Il est 16h, on va aller faire une balade sur la plage. Ce sont mes figurines Pokémon que ma mère a jartées. Oh bah écoute, quand on était plus jeune avec mon frère, c'était surtout mon frère, il avait plein de figurines de dinosaures, dont un super vélociraptor. Quand t'appuyais un peu sur ses pattes arrière, ça lui faisait pencher la tête et ouvrir la gueule. Il était trop beau, ok? Et on faisait des combats de dinosaures avec mon frère. On faisait la guerre, il prenait les carnivores et il me donnait les herbivores. Il était intelligent, ce frère. Moi, j'étais juste contente de jouer avec. Quoi qu'il en soit, elle les a donnés, nos dinosaures. Elle était trop triste quand elle m'a dit. Parce qu'une fois, je me ramène, je fais « Eh, au fait, maman, ils sont où nos dinosaures ?» Oh, bah, je les ai donnés. Ah, les dinosaures. Non. Bon, écoute, si ça a fait la joie de Ghost, tant mieux, hein. Au moins, ils sont pas perdus. Enfin, peut-être que si, maintenant, ils sont perdus, mais... Enfin, bref, vous avez compris, hein. Allez, on va se faire bronzer la raie. Hop. Toi, tu vas te faire bronzer. Et Lulabi, est-ce que... Je sais pas si elle peut nager. Je pense pas qu'elle puisse nager. Oh non, elle peut pas. On peut pas toger ensemble. Vas-y, patauge. Patauge avec ton papa. Mon papa. Trop bien la bibliothèque. C'est ça, patauger. C'est de la merde. C'est nul. Oh, y a un dauphin. Lulabi, il y en a même deux. Ne t'approche pas des dauphins, Lulabi. Ne t'approche pas de cette engeance. Ça va. Oh, regarde comme elle est mignonne. On peut pas jouer avec elle dans l'eau. Qu'est-ce qu'il fait? Surveiller. Bon, ça va. Il surveille pendant que l'autre, elle se dort le fion, là. Mande la crime solaire, peut-être. Bon, après, elle va pas se dorer. Oh, il y a des sirènes. Elle va pas se dorer le fion longtemps, vu que... Oh, bonjour, madame. Comment allez-vous? Ah, je crois que c'est la mère de Nikos... De... Pff, comment il s'appelle? De Milo. Je crois. Et ça, c'est qui? Ah, c'est Missou! Missou! Coucou, Missou. Et ça, qu'est-ce que c'est? Le père hiver qui est... Regardez ce qu'il fait quand c'est pas l'hiver. Bah, il prend des vacances en été, hein, enfin, dans les îles. Michou, comment ça va? Ça a l'air d'aller.
Et là, il y a un gosse qui se noie, non? Ah non, c'est un... Ah non, c'est la mage machin, là. Ouah, qu'elle est belle! Ouah! Ouah! Ça suffit. Ah, il y a d'autres trucs là-bas. C'était quoi? Un dauphin! Des dauphins! Plein de dauphins! L'air de la plonger avec Cuba. Bah, on va éviter, hein. Parce que bon, c'est pas que vous avez un gosse à surveiller, mais quand même. Ah bah super, elle tape la causette à l'inconnu. Bah attends, Oui, excusez-moi, pourquoi vous parlez à mon enfant? Le labi est beaucoup trop social. Beaucoup trop. Ah oui, il y a beaucoup de décalage avec Kiki. Tu viens de voir Missou, à ce moment-là, je suis plus du tout avec depuis au moins 30 secondes. Hein. Voire même une minute. Beaucoup de décalage. Je comprends pourquoi tu mets 8 ans à répondre, mon petit Kiki. Je sais pas à quoi est dû le décalage. La co, sans doute. Qu'est-ce qu'elle a? On est fatiguée. Ben, on va rentrer, hein. Au revoir, madame. Benoît, tourne-toi. J'ai envie de vous la faire écouter parce que c'est vraiment un chef-d'œuvre. Vous connaissez ou pas? Je parle bien de l'original, hein, pas de la reprise de je sais plus qui au GTA RP de machin là. D'Ultia, je crois. Je sais plus. Bon, bah écoutez, après super sortie en cette super. Oh là, je sais plus parler. Après cette superbe sortie en famille à la plage, on va ken. Voilà. Elle s'appelait Ludivine. C'est mon jeu qui doit créer un décalage. Ton jeu, genre t'es sur les Sims en même temps. Peut-être, je sais pas. Je suis pas sûre, hein. Et cette fois, c'est France qui ira endormir Lulabi. Ça, on vend, on s'en fout. D'ailleurs, si il pouvait arrêter de nous envoyer des trucs, ça serait bien. Voilà. Elle va endormir ta gosse. Hop. Ouais, ça, c'est bien ce qui me semblait que vous connaissiez que la reprise du GTA RP. Wouah. Je sais pas si... Je me rappelle plus si elle a fait les couplets. Oh, Lulabi, arrête de piquer ta colère, on va te coucher, là. Chieuse. Non mais c'est une blague. Bon bah allez vous faire foutre hein, puisque papa il veut tout faire. Hop, nous on va se coucher. Allez. Fous-la au lit. Voilà. Elle veut que son papa. Je sais pas si... Ouais c'est Ultia il me semble. Avait repris des refrains. Des couplets pardon. Parce que je sais qu'elle a repris le refrain ou elle a juste changé le nom. C'est pas... Voilà. Mais je sais plus si elle avait fait les couplets. Je crois pas, hein. Je sais pas. Ah, qu'est-ce qu'elle a, elle? Mais dors! Oh là là, il est 3h du mat. Mmh.
prendre les restes. Elle a une dynamique familiale avec son père ou pas? Je sais plus, je sais pas si, je sais pas où on peut voir ça. Peut-être là tout simplement. Strict. Ah mais ça c'est la femme. Ils ont pas de... Ah si proche. Soudés. Ouais. Et alors, Benoît et sa fille. Ah, complaisance, c'est ça. Oh, c'est trop mignon! Il est en adoration devant son bébé! Tant mieux. Tant mieux, c'est ce que je voulais. Et elle? Oh, en adoration! Oh! Il y a toujours un décalage? Je sais pas. Ah bah ça a l'air moins. Parce que je viens de dire qu'ils étaient en adoration, donc ça a l'air moindre. Et avec sa mère. Plus proche grâce à des souvenirs heureux. Ah oh, ça c'est mignon ça aussi. Après t'inquiète Kiki, tu peux aller jouer hein. Ouais ça a l'air beaucoup mieux le décalage. Moi je sais pas, après c'est peut-être Mako aussi hein. Puis la tienne, enfin ça dépend. Il y a plein de facteurs, c'est relou. Pourquoi tu reprends à manger? T'as pas déjà mangé? Bon bah mange, hein, écoute. Non bah mange pas en fait. Le mec il sent le truc, il fait ça donne envie, hein. Mais fais la vaisselle! Pourquoi ça bug encore? On n'en peut plus! Jeu de merde. Jeu de merde. Toi, t'as intérêt de bouffer tout ton plat, par contre. Et elle a pas tout bouffé, évidemment. Elle nous fait chier, cette petite morue. Elle va les bouffer, ces macaronis. Elle va les bouffer. Elle va les bouffer. Ces putains de macaronis de merde. Non mais... Ça n'a pas marché. Lulabi, tu nous fais chier. Voilà. C'est pas un truc pour augmenter la réflexion. Je sais même pas d'où ça vient. Comment elle marche? Je te jure, on dirait mon perso dans Temtem. Court comme ça. C'est pareil. C'est comme elle, mais en courant. D'ailleurs, faut que j'y rejoue à Temtem avec Ruru. C'est un espèce de Pokémon en ligne. C'est marrant. Mais bon, c'est un peu relou le... Le mode histoire où ils te disent « Ah là là, vous devez avoir tel équipement pour passer ici. » Et quand tu l'as enfin, t'as un accident et tu perds tous tes objets. La frustration. La frustration. Bon, Lulavi, t'en mets du temps à faire caca. Oh là là. Elle est contente, elle a fait son popo. C'est bien, petit enfant. Allez, le farm. Vous voyez, quand j'ai qu'un enfant, j'en prends soin. Hein.
sont rarement dans le rouge. Je sais pas quoi faire, tu peux nettoyer le pot, Benoît. Voilà. En vrai, alors, ça fera pas très... Ça fait un peu moderne, mais je vais mettre la poubelle magique. Ouais, level 3. On veut tous les points. 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 Ah, qu'est-ce que c'est? Oh, je m'en fous. Perte de performance. On s'en branle. Il est déjà à fond dans sa, dans son métier. Bon, je pense que le live sera un peu plus court que d'habitude, les gars, parce que je sais pas, je. J'ai mal au crâne. Et en fait, je suis molle. Ça me saoule. C'est ma semaine fatigue, je crois. Enfin, ça arrive, hein. Et vous, ça va? C'est quand les vacances scolaires? C'est bientôt, non? Enfin, bientôt. C'est en juillet? En juin? Tu passes un examen, Kiki? Tu passes pas le brevet? Ça existe encore, le brevet? C'est la semaine pro, les vacances? Ah, c'est l'année prochaine, le brevet, oui, d'accord. La journée de la mollitude. On est tous mous. J'ai même pas rentré la poubelle. Honteux! Honteux! T'as le bac de français l'année prochaine? Mais t'as 12 ans! Tu vas être en première l'année prochaine. Putain, t'as grandi trop vite. Tu auras toujours 12 ans dans ma tête. Tu sais, j'ai connu le copain d'Oscar. Aujourd'hui, il a 24 ou 25 ans. Je l'ai connu à 14 ans. Il a toujours 14 ans dans ma tête. Hein. C'est insupportable. Bon, j'arrête de lui dire parce que ça commence à le vexer. Mais j'ai du mal à... J'ai du mal. Bon, maintenant, si. Parce qu'il sort avec un de mes potes qui est vieux. Donc, oui. Mais quand même. Quand même. Et tu l'as eu ton brevet? Ça existe encore le brevet? Le brevet des collèges. Hein. Le brevet des collèges. Mention bien. Oh, bravo. Moi je l'ai eu, mais je pense que je sais pas comment. Ils ont dû me le donner. Je faisais pitié. J'ai pas eu mon bac. Voilà. Je suis nulle. Bon, elle lit une histoire, c'est bien. Je n'ai pas de diplôme. Elle est morte de rire dans son bain. Ouais, on va passer cette journée, puis je pense que je vais arrêter là. Pour la prochaine fois, je ferai grandir tout le monde en enfant. On fera l'anniversaire de Lulabi. Donc
Donc votez bien pour les bambins dans le Discord. Et les gens qui regardent la rediff, le lien du Discord est dans la description si vous voulez rejoindre. Ça prend pas longtemps à faire un compte, si jamais. Comme ça vous pourrez voter aussi. Votez le vote puisque c'est un let's play participatif. Ça veut dire que vous participez. Voilà. Vous n'êtes pas obligé de participer, mais si vous le voulez, vous le pouvez. Puisque c'est le but. Si c'était pour faire un let's play toute seule, bah, je ferais un let's play toute seule, je filmerai pas. Ça n'a aucun intérêt. Et quand elle sera enfant, on va pouvoir faire plus de trucs, je pense. Je dis ça à chaque stade de la vie, hein, vous avez remarqué, j'espère. Ah bah là, elle fait sa vaisselle toute seule, genre, il n'y a pas de problème. Je t'injure. Et d'ailleurs, quand elle va grandir, elle aura les cheveux un petit peu plus foncés. Parce que là, pour les gens attentifs, c'est pas son vrai blond à Lulabi. Elle a un blond plus clair. Parce qu'en général, quand on est petit, on a les cheveux plus clairs. D'ailleurs, petit, on s'en fout de ta vie. Quand j'étais petite, j'avais les cheveux blonds platine. Aujourd'hui, ils sont blonds, quoi que vous en disiez. Et sachez, mesdames et messieurs, que les gens blonds, leurs cheveux changent de couleur selon s'ils prennent beaucoup le soleil ou pas. Donc peut-être qu'en me voyant, vous dites, bah, le châtain. Non, non, je suis blonde. Voilà, sauf que je sors jamais. Donc j'ai pas le soleil qui fait devenir mes cheveux blonds. Voilà, arrêtez les mauvaises langues, je sais quelle couleur de cheveux j'ai, merde. Châtain, c'est plus marron. Moi, à la limite, ils sont vert jaune, mais ils sont pas marrons. Zut! Non mais oh! On est où là? Les gens qu'on connaît pas qui nous disent bah non, elle était pas blonde. Bah je sais mieux que toi quand même! Je l'ai pas inventé, wesh! Mais t'es pas châtain clair, je pense. T'es blond juste. Mais si tu retournes au soleil, tu... Longtemps, hein, je veux dire, pas 5 minutes dehors, histoire de... Si tu passes beaucoup de temps au soleil, ils vont devenir vraiment beaucoup plus blonds. Alors pas platine non plus, faut pas abuser. Mais ça bouge. Ça bouge selon si tu prends le soleil ou pas, en fait. Voilà, c'est une couleur qui n'est pas fixe. D'ailleurs, pour les gens un peu observateurs, après ma greffe, ils étaient carrément plus foncés que là. Hein. Là, ils sont un peu... Bah, ils sont blonds. Ils sont pas blonds clairs, on est d'accord, mais ils sont blonds. Mais après ma greffe, ils étaient vraiment foncés de fou. Comme mes poils. Et mes sourcils, il y a des gens qui étaient choqués parce que j'avais les sourcils noirs. Alors que, bah, ils sont blonds. Enfin, ils sont... Ouais, ils sont blonds. Je sais même pas si vous les voyez, là, mais ils sont blonds, mes sourcils. Et du coup, blond foncé. Mais c'est après la greffe, mais même moi, je me reconnaissais pas, les gars. C'était choquant. Oh, putain. Oh, falloir aller se raser la beubare, monsieur, hein. Parce que c'est pas terrible, hein. Pourquoi on peut pas... Ah, il faut cliquer sur le miroir. Rager la barbe. C'est pas possible. Cette gueule. Putain, j'ai jamais vu l'animation. Ah, c'est trop bien. Il est énorme, son putain de rasoir. On dirait une brosse pour brosser les chats. Pardon, il se rase les dents, là. Hein. Vous avez vu? Non, mais il est... Il sourit, il a de la mousse à raser dans les dents. Votre animation est pétée. Aucun effort. Coucou Elise, comment tu vas? Non mais il fait aucun effort, le mec il a de la mousse à raser dans la bouche. Il se rase les dents avec une brosse à chat. Super. Quelle animation exceptionnelle. Oh mon dieu. Bah ça va, je disais que le live allait être plus court, j'allais bientôt arrêter parce que je suis fatiguée et j'ai un peu mal au crâne. Par contre Elise, si tu veux aller voter dans le Discord, dans le salon Récap Lulabi, je t'invite à y aller. Vous choisissez vos 7 bambins préférés et on fera un petit groupe de potes avec de potes de Lulabi. Parce que l'épisode prochain, je vais la passer enfant. Voilà. On fera une fête et tout. Lulabi a très faim. Mais il a qu'à manger.
Ah, elle nous fait chier, cette gosse. Ouin ouin, j'ai faim. Chiantos, chiantos, les petits bonbons nains. Chiantos, chiantos, pour emmerder le monde du soir au matin. En plus, elle va pas aimer. Voilà, on connaît l'astico. Ah si, elle a tout mangé. J'ai été mauvaise langue. Mais ça nourrit pas, cette merde. En même temps, c'est du pain, vous me direz. Voilà, je mange du pain. Ouh. Bon, alors le mec, il... Ah si, il bug. Il bug tout autant à nettoyer. C'est relou. Relou, relou, relou. Lou, relou, 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 relou. Et ben voilà, elle a re-tout mangé. Tu vois, sale gosse, tu peux le faire. Non, va faire les cubes, là, la réflexion. Bon, allez. Je pense qu'on va arrêter là. On a un petit peu avancé. Après, c'est vrai qu'en bambin, je vois pas trop ce que je peux faire d'autre. J'ai pas d'idée. Je n'ai point d'idée. On va sauvegarder déjà. Pour commencer, pardon, j'ai tapé dans le micro. J'ai tapé dans le micro. Oscar, il dort. Oscar, tu dors? Pauvre enfant, s'il s'était endormi. Avec, tu sais, genre le petit sourire aux lèvres. Genre, il est bien, il est détendu. Il s'endort. Et là, une connasse gueule dans le micro. Normalement, j'ai vérifié, il n'est pas à 100%. Hein. J'aurais peut-être le remettre à 100% pour crier et ensuite le... Non, c'est horrible. Mon Oscar. Il n'y a pas de respect. J'aime mes amis. Allez. Hop. On va se mettre ici. Merci, Élise. Moi, sur ce, les gars, je mettrai la rediff sur YouTube. Évidemment. Enfin, comme toujours. Mais il est 22h, tiens. C'est l'heure des médocs. Je mettrai la rediff sur YouTube. Là, je suis vraiment éclatée. Je suis désolée. Demain, vous me retrouverez sur le live de Ruru. Alors, peut-être pas tout le temps, parce que si je suis éclatée aussi, je vais pas rester tout le live. Mais je serai en voix avec lui. Enfin, en voix, je serai avec lui, tout simplement. Pour le team. Et après-demain aussi. Gros boulot. Donc, n'hésitez pas à venir sur le Twitch de Ruru. Le lien est dans le planning du live, de toute façon. Je vous le redonnerai au pire. Oui, t'es arrivé à la fin. Mais c'est pas grave, Élise. C'est gentil d'être venue quand même. De toute façon, il y aura la rediff. T'inquiète pas, ça va pas durer très très longtemps. Donc, et puis, voilà. Merci d'être venu. Des gros bisous. Une bonne soirée. Et puis, bah écoutez, voilà. J'ai pas d'autres mots. Ah, juste avant, j'ai lavé mes cheveux hier. Regardez cette putain de crinière de lionne. C'est pas possible. Ce n'est pas possible. Ça n'a pas de forme. C'est du foin. J'ai du foin sur la tête. Du foin très doux, cela dit. Mais quand même. C'est n'importe quoi. Et quand ils sont un peu vieux et un peu gras, ils font des superbes boucles. Mais là, c'est juste n'importe quoi. Ça me fait rire. Bref. Maintenant, vous avez connu la vie palpitante de mes cheveux. Je vais vous laisser et vous souhaiter une très très bonne soirée. Des gros bisous. À demain si vous venez chez Ruru. Et puis sinon, on se voit mercredi. Voilà. Bisous.